Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne de Réaction au Football. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Accusation de V. À l'origine du scandale, elle sort du silence et cible Mbappé. De passage à Stockholm durant les quelques jours de repos que lui a accordé le Real Madrid dans cette trêve internationale, Kylian Mbappé serait visé par une plainte pour V et agression S, selon la presse suédoise. L'une des journalistes du quotidien à l'origine des révélations a réagi à l'affaire. Son passage en Suède avait déjà fait l'objet d'une polémique en raison de son forfait pour les deux matchs de l'équipe de France dans cette trêve internationale. Kylian Mbappé voit aujourd'hui son nom être associé à une affaire bien plus grave avec l'ouverture d'une enquête pour V et agression S, selon la presse suédoise. Une journaliste d'Aftonbladet, l'un des deux quotidiens à l'origine des révélations, a confirmé ces informations auprès du Figaro. Énormément de curiosité autour de sa présence. Tout le monde nous appelle aujourd'hui, la presse française et internationale. J'ai 25 appels auxquels je n'ai pas répondu, confie-t-elle. Il y a eu énormément de curiosité autour de sa présence car sa venue était inattendue et les raisons n'étaient pas très claires. Oui, il est lié à l'affaire. La journaliste suédoise réaffirme enfin que Kylian Mbappé est bien lié à l'affaire. Quand l'affaire a éclaté, c'était clair depuis le début qu'il s'agissait de lui, mais nous n'avons pas fait mention de son nom. En Suède, on ne publie pas le nom d'une personne visée tant que celle-ci n'est pas contactée par la police, explique-t-elle au Figaro. Le Real a-t-il supprimé Mbappé d'une photo à cause de l'enquête en Suède? Le Real Madrid aurait-il supprimé Kylian Mbappé d'une photo publiée sur ses réseaux à cause de l'enquête qui viserait l'attaquant français en Suède? C'est la théorie en vogue sur X, Twitter, depuis mardi matin. À 11h, ce mardi, le club merengue a publié une photo pour promouvoir un événement impliquant la fondation du Real Madrid et son sponsor, Adidas. Sur cette photo figurent Jude Bellingham ou encore Roberto Carlos dans une pièce colorée, entourée d'enfants. Jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'une autre version de la même photo avec la présence de Kylian Mbappé, visible sur le compte Instagram de l'international anglais, a vite été repérée et supprimée depuis. D'aucuns en ont tiré la conclusion que le Real Madrid a pu supprimer l'attaquant tricolore de cette photo en réponse aux révélations de la presse suédoise sur une enquête pour viol et agression sexuelle visant le français. Contactée par 20 minutes, la marque américaine renvoie au Real Madrid et aux joueurs la responsabilité de la réponse. Cité par RMC Sport, le club espagnol confirme qu'une modification a été opérée sur la photo pour une raison contractuelle. L'événement était promu par Adidas, Kylian Mbappé et chez Nike. Fatalement, il ne pouvait figurer dans cette campagne de promotion. Un mystère demeure cependant, Eduardo Camavinga, autre français sous contrat avec Nike, figure sans problème sur les photos de cette campagne d'une autre marque que son sponsor perso. La marque aux trois bandes serait-elle responsable de ce rétropédalage? Contacté, il ne nous a pas répondu à lire aussi. Mbappé a disparu des photos du Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé est accusé de V en Suède depuis quelques heures, une photo du Real Madrid n'est pas passée inaperçue ce mardi. En effet, pour une campagne de publicité Adidas, Jude Bellingham a posté une photo où on peut le voir avec Mbappé. Problème, la Casablanca a posté la même photo sans le français. Aurait-il été effacé? On connaît la vérité. Actuellement, le moindre événement concernant Kylian Mbappé fait parler. Alors que le français est au cœur d'un scandale après des accusations de V, c'est une photo postée par le Real Madrid qui a suscité de nombreuses réactions. En effet, à l'occasion d'une campagne de publicité pour Adidas, Jude Bellingham a posté une photo accompagnée de Kylian Mbappé ou encore Roberto Carlos. Le problème c'est que le Real Madrid a posté la même photo, mais sans le capitaine de l'équipe de France. Un problème de sponsor. Si certains ont immédiatement fait un lien avec les accusations de V, il n'y en aurait aucun. En effet, SportsZone a fait savoir concernant cette photo avec Kylian Mbappé, nous sommes en mesure de vous affirmer que Kylian Mbappé a été retiré car Nike s'est opposé à sa présence dans une pub Adidas. Cela n'a rien à voir avec les événements récents. La version du Real Madrid. Contacté par RMC, le Real Madrid a confirmé le motif du sponsor pour justifier l'absence de Kylian Mbappé sur cette photo pour Adidas. Et alors qu'il n'y avait pas que des athlètes de la marque aux trois bandes sur les clichés, eux n'ont pas été retirés car ils ne portaient pas une V Adidas. Tout s'explique. Affaire Mbappé, la réaction du Real après les accusations de V par la presse suédoise.
Joint par RMC Sport, le Real Madrid a livré sa première réaction à l'affaire Mbappé, visée par une plainte pour VA Stockholm, selon la presse suédoise. En pleine tempête médiatique, le Real Madrid tient son cap. La sérénité prévaut sur l'hystérie dans ce contexte d'emballement autour de la superstar du club, Kylian Mbappé. L'attaquant merengue serait visé par une enquête pour VA agression, selon plusieurs médias suédois. L'agression aurait eu lieu le 10 octobre dans un hôtel du centre de Stockholm fréquenté par le joueur à la même période. Joint par RMC Sport, une source interne au club fait savoir que cette affaire n'est pas du tout un sujet pour le Real Madrid et qu'elle n'accapare pas les discussions au sein de l'institution. Le géant espagnol n'affiche aucune inquiétude sur l'issue de cette affaire, et ne doute pas que cette information est une nouvelle mensongère propagée dans le but de nuire à la réputation de Kylian Mbappé, comme le joueur l'a lui-même dénoncé sur X concernant l'escapade suédoise de son attaquant en fin de semaine dernière. Le Real Madrid épouse la ligne tracée par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. À partir du moment où le joueur est off, il est libre de ses mouvements, d'aller et venir où bon lui semble, estime le Real Madrid. Mbappé raisonnablement suspect. Pour la promotion d'un événement avec la fondation du Real Madrid et Adidas, le club espagnol a fait disparaître Kylian Mbappé d'une publication sur laquelle il apparaissait aux côtés de Jude Bellingham notamment. Sur la même photo publiée par l'international anglais, un cliché semblable en tout point à celui du Real, le français était bien présent, jusqu'à ce qu'il soit demandé à Jude Bellingham de la retirer discrètement. Comment expliquer cet empressement du Real à supprimer le champion du monde de 2018 ? D'après le Real Madrid, la raison est simple, la modification est devenue obligatoire pour des questions de sponsoring, l'événement étant promu par Adidas, tandis que Mbappé est sous contrat avec Nike. La justification pourrait totalement convaincre, si les autres photos ne mettaient pas en avant des athlètes du club sous contrat avec d'autres marques. C'est le cas de Dani Carvajal et du français Eduardo Camavinga. La marque Adidas a-t-elle voulu se préserver, alors que le joueur est en pleine tourmente? Mystère. Le coup bas du Real Madrid à Mbappé après l'affaire de V. Après que l'affaire de viol dont fait l'objet Kylian Mbappé ait éclaté, le Real Madrid a supprimé le français sur un poste de promotion pour la fondation du club. Visiblement, le Real Madrid ne veut pas montrer que Kylian Mbappé est un joueur de la Casablanca alors que l'attaquant français est visé par une plainte pour VA agression en Suède. Quand le Real Madrid cache Mbappé. Et pour cause, comme nous l'a fait remarquer RMC Sport, les pensionnaires de Santiago Bernabeu ont supprimé le natif de Bondy sur un poste de promotion pour la fondation du club. Jude Bellingham a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec Roberto Carlos et Kylian Mbappé en lien avec Adidas et la fondation du Real. En parallèle, le club merengue a publié cette même photo avec un détail surprenant. Mbappé n'apparaît pas sur ce cliché manifestement retouché, expliquent nos confrères. Un geste fort du champion d'Espagne en titre qui ne manque pas de faire polémique. Un geste fort du Real Madrid avec Mbappé. Alors que le Real Madrid se retrouve contraint de gérer la polémique autour de Kylian Mbappé, le club merengue semble avoir fait un premier geste fort. Depuis quelques heures, c'est une vraie situation de crise que le Real Madrid doit gérer. Même si Kylian Mbappé n'est officiellement coupable de rien, et se retrouve même raisonnablement suspecté, degré le plus faible de la justice suédoise, dans l'enquête sur un V et une agression présumée sur une femme en Suède, le club merengue doit tout de même affronter cette polémique de manière frontale. Mbappé disparaît de la photo. Hier soir, le journaliste Romain Molina a annoncé la tenue d'une réunion de crise au sujet de Mbappé dans la Maison Blanche. Et un premier geste fort symbolise le malaise. En effet, le club merengue a communiqué sur ses réseaux sociaux pour une campagne mêlant Adidas et la fondation du club madrilène. Seulement, entre la photo publiée par le club et la photo initialement communiquée, un changement de taille, Kylian Mbappé a tout simplement disparu. Signe d'un vrai malaise. Real Madrid, une première conséquence pour Kylian Mbappé. L'affaire judiciaire ouverte en Suède à l'encontre de Kylian Mbappé a eu une première conséquence pour l'attaquant français. Difficile de passer à côté ces dernières heures, le capitaine de l'équipe de France est accusé de VA et d'agression en Suède, après la dernière virée du joueur à Stockholm, durant la trêve internationale. Le clan du joueur de 25 ans est rapidement monté au créneau, en publiant un communiqué où le harcèlement médiatique du madrilène est pointé du doigt. L'affaire, qui n'en est qu'à ses prémices, a en tout cas déjà eu une connaissance, au sein de son club.
Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.